Eh bien oui, bienvenue sur Thé éternel, ce dimanche 26 août, de l'an de grâce de Men in Black 18, du réveil de l'esprit. Tu vois cet immeuble en face là, en fait ils vont faire comme là, c'était une ancienne cité marchande. Et en fait il n'y a que le fleuriste qui va bien partir parce qu'ils ont bien racheté la ville, mais tous les autres ils vont les foutre dehors, enfin ils doivent les reloger. Bon, telle n'était pas la question. Le dimanche c'est en sol, je dis ma messe en sol R. Pour changer d'air et d'air. Comment vous pouvez être tous autant lobotomisés? Hier je filmais les dodos, la bonne fois la chien franc, il paraît que le mari il veut me taper et tout. Non mais attends, c'est quoi ces conneries? Avec des parano, des tarés. C'est la télé qui rend comme ça. Arrêtez la télé et puis les cachetons, ça ira mieux. Hein. Bref, on va dire que c'est le jour du Seigneur. Il manquerait plus que je me prenne une branlée. Le mec, je vais dire, mais vous êtes parano ou quoi? Je filme les oiseaux. Moi. Bon, on verra bien, de toute façon, qu'ils viennent le mec. Voilà, voilà. Sinon, c'est un beau dimanche, c'est une belle histoire. Bah en France, plus nul les prophètes en son pays. Bah en France, je fais crise de Nice. Et belge, je m'appelle Mustapha. J'ai un vrai faux acte musulman. C'est que de la magouille, tout ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi ils vont... Vous n'ouvrez pas la partie du cerveau qui ne sert à rien. Arrêtez les cachetons. Arrêtez l'industrie pharmaceutique. C'est le serpent qui se mord la queue. Même sur les pancartes, tu le vois qui se mord la queue. Enfin bref, c'est bien d'écouter le temps qui passe, c'est bien d'entendre le temps qui passe, mais c'est bien aussi de comprendre le temps qui passe, de voir l'enculerie où elle en est sur Terre. Moi je suis esclave de personne, moi. Mon aérobase elle n'est pas sur Terre. C'est quoi ce bordel, putain? On avait un paradis, vous en faites un enfer. On n'a pas de l'argent, du gain, le mensonge, la corruption, les putes, la drogue. Arrêtez là. C'est pas une rentrée, ça va être une sortie. Tous les plus puissants hommes de la Terre, c'est les plus cons en fait. Au goulag, au Newf ou au RSA. Et avec, sinon, si jamais ils sont pas trop méchants, avec comment ça s'appelle. Surveillance technique là, comme ils font pour les mecs qui sont pas vraiment en prison avec obligation de se présenter et tout tatatitata. Vous allez arrêter de vendre des armes et des guerres à Monaco, en Suisse, Nanner. Oh réveille bordel, planète en culos c'est pas ici hein. Que la Terre redevienne un paradis, mais vous avez tout trafiqué les molécules. Vous êtes vraiment des cons. Moi, je ne cautionne pas ça. Rien à foutre de mourir, je suis déjà mort 14 fois, et je viens du 4-1. Hein. 14, les inverses. Enfin bref. Alors, il y en a un qui me cherche la merde. Bah, il va pas la trouver, mais je tendrai pas l'autre jour non plus. Ça va se calmer. Tiens, tu peux même pas filmer les oiseaux, mais ils sont vraiment cons. Enfin bref. C'est une belle journée. Hier, c'était un samedi fantastique. C'était en phare. Pas seul. Demain, j'espère que vous allez commencer à vous accorder les uns les autres, bordel. Il faut des lois planétaires. C'est pas compliqué. Ça a toujours été des lois de riches votées par, pour et les riches. Et avec les riches. Ça n'a jamais été des lois votées par, pour et avec les peuples. C'est pour ça qu'il faut mettre le wifi gratuit partout. Il faut faire des lois planétaires. Il faut changer d'air. On passe en 2019, on repart à l'an zéro. Il reste quelques mois,
On va faire caisse commune plutôt que fosse commune. C'est tout le monde un petit peu. Sinon, je vous dis pas, là-haut, comme ça, crise. Ils disent, mais ça sert à rien à la race humaine. Ce n'est pas des humains. C'est des incarnés. Incarnation du mal. Et comme vous ne comprenez rien, vous ne croyez rien, et que de toute façon, juste à la télé, c'est que de la merde, la télé. C'est comme dans Equilibrium, la télé, puis le prosium. C'est ça. Mais sauf qu'on est à l'époque de Ravage de Varjavel. Moi, je faisais le voyageur très prudent. Les nuits, je sors, je bouge, je fais un tour dans ma tête. C'est normal, j'ai pas de télé à la maison. C'est un puissant aimant, ça aspire l'âme, la télé. En plus, il raconte que des conneries. Les rêves naturels sont beaucoup plus puissants. Qu'on te laisse dormir. Ça, le truc. Laissez rêver l'enfant qui dort, faut retrouver votre esprit de gosse. Jusqu'à vers 7 ans, ça allait bien. On vous endort le disque mou. Ça se réveille qu'à la crise de la quarantaine. Je comprends l'enculerie. Je suis prophète de garage. Et quand même. Mardi sera le 28. Oh là 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 là. 4 x 7, 28, à mes 49 ans, dont 2 mois de chef d'état d'âme déjà. Si j'arrive pas, mais j'ai pas d'argent. Si j'arrive pas, j'y arriverai pas. De toute façon, il n'y aura pas de sauveur, vous m'avez niqué mon mariage. Je dis, Sarkozy, là, vous me devez des millions, vous me devez. C'est dommage et intérêt. Des millions. Pourquoi il n'est pas au Nouf celui-là? Pourquoi il n'est pas au Nouf, Cahuzac? Pourquoi ils sont pas tous au Nouf? Le Fabius, le sang contaminé. Je suis une tante qui est morte de ça. Oh. Il y a quelqu'un dans le bocal ou il n'y a personne là? Ouais non, les pubs c'est fini, le film ça a repris, ouais je descends. Ah, quelle misère. Que Nice redevienne un comté. Moi je fais Astérix et Grobélix en même temps. Je vais reprendre mon diocèse. C'est le 118, le 119, c'est pas grave. Mais je veux qu'on reparte à l'an zéro. Comme ça, puis c'est tout. Mais passe tout, on recommence. Jugement premier. Héritage de quoi? Oligarchie de quoi? Féodaux de mes couilles de quoi? Royaume de quoi? République de quoi? Part de merde. Pas du tout ça. Peut-être pas du tout pour les peuples. La moitié sont des fachos. Mais ils savent bien parler. Vas-y, comme je t'embrouille. Et blablabli, et blablabla. Le verset, le décret 34, la constitution, la déconstitution. Pas tromper 100 fois, une fois, une personne. On peut tromper 20 fois, 30 fois, 10 personnes. Ce sketch-là était pas mal. Bon, enfin bref, c'était le 12h. Juste avant que j'allume, le canon a sonné. Oh. Envoyé spatial, portée éternelle. Reporter sans glacière. BST du CGT. Bienvenue chez les derniers conseils galactiques temporels. Voilà, tout ira bien dans l'espace-temps. Mais il y a trop de connards au mètre carré quand même. Vraiment trop.